Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour la première conférence du nouveau cycle consacré à l'histoire de Liège, fondée en 2015 par l'Université et la ville de Liège. Qui d'entre nous savait que d'Artagnan était mort à Maastricht, cette bonne ville de la principauté, codirigée pendant des siècles, puis avec les Espagnols et ensuite les Hollandais C'est en effet en 1673, pendant la guerre de dévolution, que... Louis XIV fut arrêté dans son élan par ces marchands de fromage à qui il convenait de donner une leçon, ce qui fut le cas lors de la guerre de Hollande. C'est à Maastricht que d'Artagnan est décédé. Depuis les traités de Westphalie, les Hollandais d'ailleurs n'avaient pas hésité à renier leurs promesses à l'égard des Français qui les avaient arrosés de subsides pendant des décennies pour assurer leur indépendance par rapport à Maastricht. C'est Julien Wilmar, ce brillant docteur qui a consacré sa thèse de doctorat défendue à la Sorbonne ou mousquetaire du roi, ces êtres finalement aussi passionnants qui étaient tels Jean le Bel, aussi franc à l'amour qu'à la guerre. Merci, cher Bruno. Je remercie évidemment avant tout les, les organisateurs de m'avoir convié à, à ce cycle de conférences, Anne Capel et, et Bruno Demoulin, comme vous l'avez rappelé, éminents membres de euh, mon jury de thèse soutenu à la Sorbonne l'année dernière. Pourquoi, me direz-vous, une conférence sur d'Artagnan euh, et sur le siège de Maastricht à Liège cette année Eh bien, les raisons en sont multiples. On peut en dénombrer au moins six. D'abord, élément essentiel, Bruno, vous l'avez rappelé, Maastricht dépendait de la principauté de Liège en 1673. Ensuite, l'année dernière, nous célébrions les 400 ans de la création des mousquetaires, fondés en 1622, et cette année, nous fêtons les 350 ans de la mort d'Alexandre de... de Alexandre ne pas encore, de euh, D'Artagnan à Maastricht, survenu le 25 juin 1673. Deux anniversaires d'ailleurs inscrits à l'agenda des commémorations nationales par euh, France Mémoire de l'Institut. Surtout, donc, il s'agit de l'aboutissement de mes travaux qui, après plus de dix ans de recherche, ont débouché sur la soutenance de euh, ma thèse de doctorat que euh, je vous évoquais tout à l'heure. Cette approche est entièrement novatrice puisque les mousquetaires n'avaient jamais été étudiés d'un point de vue scientifique auparavant. À partir de ces recherches, Bruno vous, les, vous le présenter j'ai écrit un ouvrage sur l'histoire des, des mousquetaires, hein, coédité par les éditions Talendier et le ministère des Armées français. Parallèlement et sur la base de mes recherches, en partie, Vient de s'ouvrir une grande exposition au service historique de la défense, au château de Vincennes, donc à Paris, que je vous invite évidemment à visiter. Je la présenterai un peu tout à l'heure. De plus, et ça n'aura échappé à personne, cette année, les trois mousquetaires ont et vont à nouveau crever l'écran avec la sortie des deux films produits par Pathé et pour lequel, mais ça je ne devrais pas trop le dire, j'ai été conseiller historique, pas trop le dire, puisque d'un point de vue historique, c'est assez critiquable. Dès lors, comment ne pas évoquer la mort du plus célèbre des mousquetaires sur l'ancien territoire de la principauté de Liège à Liège même? D'Artagnan donc et les mousquetaires ont donc encore de beaux jours devant eux. D'autant que, mais ce n'est que mon point de vue, s'ils sont encore aussi célèbres aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à Alexandre Dumas et ses romans qui a permis de faire des vrais mousquetaires un mythe, mais surtout grâce au cinéma qui a pris le relais des romans. Avant tout, pour comprendre les conditions de la mort de D'Artagnan, il importe de revenir sur les mousquetaires eux-mêmes, leur histoire, leur manière de combattre et comment ils devinrent le conservatoire des valeurs chevaleresques de la noblesse française. Ensuite, nous entrerons dans le contexte précis du siège de Maastricht. Donc, avant d'entrer dans le cœur du sujet, posons donc les jalons chronologiques de la vie de D'Artagnan et de l'histoire des mousquetaires. Vers 1593, Henri IV adjoigna à sa garde personnelle une compagnie de carabins issus de la cavalerie légère, alors en plein essor dans les armées européennes. Fantin Saint-Monté, ses cavaliers légers étaient armés d'une carabine, arme légère à canon court. Louis XIII, 30 ans plus tard, en 1622, Refondit et modernisa le corps. Les 50 carabins furent portés à 100 mousquetaires et ils troquèrent leurs carabines pour des mousquets à mèche, armes plus modernes. Ils changèrent dès lors logiquement de nom, devinrent les mousquetaires du roi, une pratique courante dans l'armée, puisqu'on désignait les unités selon le, généralement selon leur armement. Les mousquetaires à cheval de la garde ordinaire du roi, selon leur titulature officielle, portaient intrinsèquement les marques d'un double service. En raison du poids du mousquet, entre 6 et 8 kilos, les mousquetaires devaient mettre pied à terre et recourir à une fourquine pour ajuster le tir. Donc la fourquine, vous l'avez ici, c'est cette espèce de piquet, on hein, plantait dans le sol pour, pour ajuster le tir, comme on le voit sur les gravures. Tout en modernisant l'unité, Louis XIII renforçait ainsi la particularité tactique des mousquetaires qui combattaient aussi bien à pied qu'à cheval. Ils préfiguraient les dragons et apparaissaient comme des unités commando. À l'époque, rien n'était alors plus étonnant que de voir des mousquetaires à cheval. Dès lors, Louis XIII imposa à maintes reprises ses mousquetaires sur les champs de bataille, à pied et en première ligne. Ils prirent ainsi part aux opérations du siège de la Rochelle ou du combat du Pas de Suse en 1629, commençant déjà à se forger une réputation de redoutable guerrier. Peu de temps après, entrait au Mousquetaire un gentilhomme gascon bien connu, Charles de Batz-Castelmort-D'Artagnan, qui figure sur un rôle de la Compagnie des Mousquetaires de 1633. Ce document est la première trace archivistique de D'Artagnan. Né entre 1610 et 1615 à Lupiac, dans le Gers, en Gascogne, le cadet désargenté monta à Paris au tournant des années 1630 pour faire carrière dans les armées du roi. Après une pro, un probable passage aux gardes françaises comme cadet, un peu comme dans le roman, il entra aux mousquetaires. On ne sait depuis quand, ni jusqu'à quand d'Artagnan était mousquetaire, seule certitude, en 1633 il l'était, et en 1640 il ne l'était déjà plus. En 1634... Par un geste hautement symbolique, Louis XIII se fit capitaine de la compagnie, renforçant encore un peu plus ses liens avec les mousquetaires. Il déléguait en réalité la gestion du corps et le commandement militaire au premier lieutenant, le comte de Troisville, compris à la cour Tréville en raison de son accent béarnais, et il prit alors le titre de capitaine-lieutenant. En se faisant capitaine, le roi cherchait à récompenser une unité qu'il appréciait particulièrement tout autant que Tréville qu'il comptait parmi ses amis. En 1646, la mort, de, enfin, plutôt, la mort de Louis XIII en 1643 et la méfiance du cardinal Mazarin envers Tréville, au caractère bien trempé et qui avait comploté contre Richelieu, eurent raison des mousquetaires. Mazarin désirait la charge de Tréville pour l'un de ses neveux, mais le béarnais refusa de démissionner et le cardinal préféra faire licencier le corps en vue de le rétablir peu après, à son profit. La fronde repoussa ses projets d'une dizaine d'années. À cette époque, D'Artagnan entra au service de Mazarin et devint l'un de ses protégés, une de ses, comme on disait alors, créatures, hein, mais dans un sens non péjoratif. En 1657, Louis XIV et Mazarin rétablirent la compagnie des mousquetaires, avec à sa tête Philippe Julien Mancini, neveu du cardinal et un presque, et un presque homonyme de D'Artagnan, souvent confondu avec lui, Isaac de Basse, et non de Batte, comme sous-lieutenant. Trop jeune et trop peu intéressé par la chose militaire, Mancini délaissa son commandement qui revint en pratique au sous-lieutenant. Et c'est justement là, en 1658, que le nouveau, nouveau sous-lieutenant de la compagnie fut reçu dans sa charge par Louis XIV lui-même, à Mardique, à côté de Dunkerque. C'était bien sûr D'Artagnan qui remplaça Basse et qui venait de démissionner, qui devint donc sous-lieutenant des mousquetaires. À peine rétablis, les mousquetaires prirent part aux campagnes de 1657 et de 1658. En 1660, le roi les appréciait tellement qu'à l'occasion de son mariage, Mazarin lui offrit sa propre compagnie de mousquetaires à cheval qui devint la deuxième compagnie des mousquetaires du roi. En 1665, les deux compagnies furent harmonisées et mises sur un pied d'égalité. Elles furent surnommées en référence de la couleur uniforme de la robe de leurs chevaux, une nouveauté pour l'époque. La première compagnie fut montée sur des chevaux gris. Ou pommelé, je précise que ne... le cheval blanc, ça n'existe pas, et donc pris le surnom de mousquetaire gris, et la deuxième compagnie sur des chevaux noirs, donc mousquetaires noirs. Chaque compagnie avait en outre une devise aux accents guerriers particulièrement évocateurs, surtout celle de la première, quoruit et letum, signifiant là où elle tombe, elle porte la mort, et figurant une bombe tombant sur une ville. Joli programme que nous allons voir en action d'ailleurs juste après. Cette devise résumait à elle seule le rôle de fer de lance, de troupes de choc que les mousquetaires jouèrent dans les sièges du règne de Louis XIV. Il devint en effet les spécialistes de la prise de ville. 1665 sonnait en réalité comme la reprise en main de toute l'armée par Louis XIV. Le jeune souverain développa en effet un projet politique de gloire destiné à faire de la monarchie la plus grande et la plus puissante d'Europe. Cela passait nécessairement par le développement de la puissance militaire. Le roi institutionnalisa également la maison militaire, les troupes de sa garde rapprochée donc, qui constituèrent alors une force d'environ dix mille hommes et qui devinrent l'élite de l'armée. Ainsi, en 1665, le roi assigna un service de guerre actif à ses mousquetaires qui ne constituait plus uniquement une unité de sa garde rapprochée, mais euh, l'une de ses troupes d'élite, troupes de choc dès cette année les mousquetaires prirent part à l'ensemble des guerres du règne de louis xiv le roi ordonna en effet toujours à ses généraux de déployer les mousquetaires en première ligne c'était le seul moyen pour eux de s'exposer au combat et donc d'y acquérir gloire et honneur on est bien loin donc de la garde de la vieille garde de napoléon qu'on garde en réserve au dernier moment là la garde s'est vraiment envoyée en première ligne donc mises en première ligne les unités de la garde devaient jouer un rôle de réflecteur des rayons d'un jeune roi soleil empli d'ambition. À la guerre, par leur manière de se battre, les mousquetaires du roi arboraient sur les champs de bataille les valeurs militaires attachées à l'idéal chevaleresque de la noblesse. Presque tous les gentilshommes étaient mus par. Enfin, presque tous gentilshommes, donc les mousquetaires étaient triés sur les volets, ils étaient mus par des rêves de gloire personnelle qui en faisaient de redoutables soldats. L'idéal chevaleresque rassemblait. Un ensemble de valeurs militaires chères à la noblesse et forgées par leurs ancêtres chevaliers. Entretenues, transmises, magnifiées, déformées par le souvenir, parfois euh, largement déformées, comme je le disais, des faits d'armes de leurs aînés, elles entretenaient un imaginaire au sein de la noblesse et suscitaient des rêves de gloire chez les jeunes gentilshommes. Les jeunes, ces jeunes aspiraient à revivre les exploits de leurs ancêtres chevaliers tant ils avaient été bercés par la lecture des romans de chevalerie. L'ensemble des caractéristiques du mode de combat des mousquetaires avait alors tout pour attirer ces jeunes gens. Le mode de combat des mousquetaires reposait sur la rapidité tactique et sur l'usage presque exclusif de l'épée arme noble par excellence qui nécessitait un combat au corps à corps seul moment où un gentilhomme pouvait éprouver son honneur et acquérir de la gloire à vaincre sans péril on triomphe sans gloire écrivait corneille le mousquet ou toute arme à feu était en effet considéré comme l'arme du lâche celui euh, celle pardon, qui met à distance l'assaillant celui qui n'ose pas aller au combat alors que l'épée montrait bien que l'on ne craignait pas de mettre sa vie en jeu le combat à l'épée démontrait au contraire donc, à leurs yeux la valeur individuelle et la valeur chevaleresque. Dès lors, les mousquetaires privilégièrent toujours l'épée, et ce d'autant plus que leur mode de combat se basait sur la rapidité d'action, en cherchant le contact, le corps à corps avec l'ennemi le plus rapidement possible. Ils abandonnaient donc rapidement leurs mousquets, trop longs à recharger, et chargeaient au pas de course sous le feu ennemi. Ils essuyaient alors généralement un feu nourri, sans broncher, sans ralentir. Leur seul objectif tactique était de se porter toujours plus en avant. Le corps à corps qui s'engageait s'avérait alors sanglant, comme on va le voir à Maastricht. Les mousquetaires allaient en effet au combat comme à un divertissement ou à une partie de plaisir. À Maastricht, l'un d'eux la même de fête. La résistance et l'impassibilité des mousquetaires sous le feu de l'ennemi constituaient un autre trait de leur identité combattante, en plus de leur absence de peur de la mort. Celle-ci n'importait en effet que peu. Pourvu que la mort survienne conformément aux valeurs de leur ordre et au nom de l'honneur. Tel était le même esprit qui régissait les duels. Victor Hugo reprenait d'ailleurs cette valeur chère à la noblesse lorsqu'il faisait dire à Lucrèce Borgia Je cite, On peut risquer souvent sa vie, jamais son honneur. Le choc frontal était ainsi recherché par les mousquetaires. Même si celui-ci était inconsidéré, il relevait du passionnel, aux grandes dames des esprits pratiques et économes comme Vauban. Ces qualités militaires furent dès lors mises à profit par Louis XIV, qui fit de ses mousquetaires une unité d'élite, en plus d'une des troupes de sa garde. Avec d'Artagnan à leur tête, les mousquetaires combattirent ainsi dans tous les sièges de la guerre de dévolution, 1667-1668, et allèrent même jusqu'à Candie, en Crète, en 1669. Au siège de Lille, en 1667, D'Artagnan et ses hommes se distinguèrent particulièrement en prenant d'assaut le bastion de la Noble Tour, encore debout aujourd'hui, en une dizaine de minutes et avec une rare violence. Les mousquetaires semèrent le carnage parmi les assiégés. Un colonel de dragons présent résumait la force de frappe de cette unité qui reculait rarement. Je cite. Ils attaquent tête baissée, la demi-lune, l'épée à la main, et malgré la résistance des ennemis, le feu de leurs remparts, les grenades, les bombes qu'ils font pleuvoir sur eux et les fourneaux qu'ils font jouer, tout plie devant les mousquetaires. Les mousquetaires et d'Artagnan à leur tête arboraient ainsi pleinement sur le champ de bataille les valeurs militaires propres à l'idéal chevaleresque et si chères à la noblesse d'épée française. Et la guerre de Hollande, ouverte en 1672, leur offrit maintes occasions d'appliquer ces valeurs au combat. La guerre de dévolution n'avait pas assouvi en effet tous les rêves de gloire de Louis XIV. La guerre de Hollande, lancée en 1672 mais en réalité minutieusement préparée depuis 1668, avait pour objectif de conquérir en une campagne éclair les Provinces unies, autrement dit les Pays-Bas actuels, cet ancien allié hollandais et protestant. Le 6 avril 1672, Louis XIV déclara la guerre aux Provinces Unies et se mit à la tête de ses troupes avec ses mousquetaires, mais sans d'Artagnan. Le roi avait en effet confié une mission délicate à son capitaine-lieutenant, capitaine pardon, qui était l'un de ses hommes de confiance. Le gouvernement de Lille. Place principale et verrou de la frontière nord, elle constituait la plus importante base de repli en cas d'échec de la campagne. Louvois confia à d'Artagnan, je cite, Dans le temps présent, il ne peut confier la place où vous commandez à personne entre les mains de qui elle pût être en plus grande sûreté. Mais voilà, il se trouvait loin du roi, loin de ses mousquetaires et par-dessus tout, par tout, loin du front et il réclama à maintes reprises son retour. Après avoir contourné les Pays-Bas espagnols et Maastricht, Louis XIV et son armée, forte de 170 000 hommes environ, se présentèrent aux portes des Provinces unies. Le 12 juin, en présence du roi, l'armée française, sous les ordres du Grand Condé, franchit le Rhin à Tolloys et envahit les Provinces unies. Magnifiée et glorifiée par la prop propagande royale, hein, comme on le voit avec ce tableau, la traversée du fleuve se fit au niveau d'un guet à peu près praticable, mais toutefois dangereux en raison de la force du courant et du feu que les Hollandais faisaient pleuvoir sur les envahisseurs. La cavalerie forte d'environ 15 000 hommes passa la première à la nage. Les mousquetaires gris, donc de la première compagnie, se distinguèrent particulièrement à cette action. Ils franchirent en effet le Rhin en escadron, c'est-à-dire tous rangés sur trois lignes de 100 cavaliers environ de front, contrairement aux autres corps qui le firent en colonne pour limiter l'emprise des flots. Le roi les félicita d'ailleurs pour cet exploit, même si l'un d'entre eux fut emporté par le courant. Au-delà de la bravoure et de la gloire, en apparence, ce fait d'armes relevait toutefois de l'inconscience puisque le courant aurait pu rompre les lignes et emporter plusieurs hommes. Dès euh, l'entrée dans les provinces unies, l'avancée française fut triomphale et jeta la consternation du côté des Hollandais. Guillaume d'Orange, statut et commandant des troupes hollandaises, se replia à Utrecht. Une quarantaine de villes, dont Arnhem, se rendirent en trois semaines. Les troupes françaises continuèrent alors leur marche vers le nord-ouest. Les mousquetaires furent détachés de l'armée pour marcher en toute hâte vers Meudon et ses écluses afin d'empêcher les Hollandais de les ouvrir et de bloquer ainsi la route d'Amsterdam en inondant le pays. Profitant de la topographie de leur pays, les Hollandais inondaient en effet régulièrement les campagnes pour bloquer les envahisseurs. Cet objectif revêtait un enjeu stratégique essentiel pour Louis XIV qui désirait s'emparer de la principale ville des Provinces-Unies et ainsi mettre fin à cette guerre en un éclair. Les mousquetaires s'avancèrent ainsi profondément en territoire ennemi, bien, avant, bien en avant du gros euh, des troupes françaises. Ils arrivèrent enfin en vue de Meudon, mais furent repoussés par les Hollandais. À la vue des Français, le 20 juin, ils ouvrirent alors les écluses, lâchèrent les flots, transformant Amsterdam en une île impossible à approcher. L'effet de surprise était perdu et l'avancée la, la, française fut stoppée à hauteur d'Utrecht, à 40 km d'Amsterdam. Louis XIV n'était pas parvenu à créer l'effondrement total ni à briser la résistance hollandaise. La guerre s'annonçait dès lors longue et coûteuse et la campagne éclair de 1672 s'enlisa. En juillet, Louis XIV rentra à Saint-Germain-en-Laye et, en raison du piétinement des opérations, les mousquetaires reçurent l'ordre de prendre leur quartier d'hiver dans les provinces unies pour leur plus grand déplaisir. D'ailleurs, certains euh, désertèrent, entre guillemets, mais euh, en réalité, ils étaient connus, donc euh, la désertion était limitée. Les espoirs de Louis XIV se reportèrent sur la campagne de 1673 qu'il espérait plus, bri plus brillante. D'abord négligée, son attention se porta sur Maastricht. La ville était alors un condominion partagé entre le prince-évêque de Liège, Maximilien Henri de Bavière, électeur de Cologne d'une part, et les Provinces unies d'autre part. La ville était alors occupée par une garnison hollandaise. L'électeur et Louis XIV étaient alliés depuis 1672. Le premier permit même le passage des troupes françaises vers les provinces unies sur ses terres. Au nom de cette alliance, Louis XIV promit de conquérir la ville pour la rendre à l'électeur, avec toutefois une garnison française. Mais finalement, par un traité signé avant le siège, l'électeur renonçait à Maastricht, qu'il abandonnait aux Français en cas de conquête. Implantée sur la Meuse, la ville de Masriert s'étendait de part et d'autre du fleuve. Le centre-ville sur la rive gauche et le faubourg fortifié de Vic sur la rive droite, tous deux reliés par un pont. La cité était défendue par une garnison de 5 à 6 000 soldats sous les ordres du gouverneur Jacques de Fario. L'enceinte médiévale était assez médiocre et faiblement bastionnée. La force de la ville reposait surtout sur l'impressionnant système défensif qui euh, s'étendait en profondeur. Les Hollandais y étaient il avait élaboré une débauche d'ouvrages fortifiés, euh, avancés, alternant demi-lunes et ouvrages à cornes, sur tout le pourtour de la ville. C'était ce système qui en faisait l'une des places les plus redoutables et considérables d'Europe. Pour tromper l'ennemi, Turenne finit une attaque sur Bruxelles, devant laquelle Ville Louis XIV le rejoignit d'ailleurs. Mais l'armée française opéra aussitôt un mouvement tournant pour se diriger vers Maastricht. Pour y parvenir, d'Artagnan et ses mousquetaires passèrent très probablement par Liège. Ce n'était pas la première fois que d'Artagnan passait par les contrées liégeoises, euh, puisque durant la Fronde, déjà en 1651, il joua les messagers secrets entre Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin, alors en exil à Brûle, faisant certainement étape dans la cité ardente. De même, à l'automne 1665, d'Artagnan et ses mousquetaires furent incorporés au corps expéditionnaire destiné à secourir les Hollandais contre l'évêque de Münster. En décembre 1665, donc, d'Artagnan entrait à Maastricht, très certainement après être passé par Liège. Hélas, les sources manquent pour pouvoir étayer et confirmer ces passages par Liège même. Chose certaine, en 1673, de Bruxelles, à Saint de Bruxelles et Saint-Tron, en direction de Maastricht, les troupes françaises et d'Artagnan traversèrent le Limbourg, puis le pays de Liège, et transitèrent par Visé, véritable carrefour stratégique entre Liège et Maastricht. Pour le plus grand malheur des Visétois d'ailleurs, s'ils étaient alliés des Français, en 1672, les troupes de Louis XIV y causèrent de nombreux ravages dans les campagnes, réduisant les récoltes à venir à néant. Plusieurs milliers d'hommes rassemblés au même endroit, même alliés, faisaient rarement bon ménage avec les locaux. Mais Louis XIV se montra intransigeant et sévère envers les soldats coupables d'exactions. C'est aussi avisé que le roi s'installa en mai 1672, avant d'aller franchir le Rhin, dans, dans la maison, donc il s'installa, pardon, dans la maison d'Antoine Houbard à devant le pont, 6 rue de Halambé. En 1673, Louis XIV logea dans la maison Méthène sur un chemin de Halage. Visé constitua la principale source d'approvisionnement en vivres et en fourrage de l'armée française durant le siège de Maastricht. De Liège puis de Visé, les Français fondirent ainsi sur Maastricht en juin 1673. Le 6 juin, les troupes françaises, fortes de 20 000 fantassins, de 12 000 cavaliers et de 52 pièces d'artillerie, se présentèrent ainsi devant Maastricht à la plus grande surprise des Hollandais. D'Artagnan avait alors rejoint ses mousquetaires. Louis XIV arriva le 10 juin et passa la nuit au bivouac. Il installa son quartier sur la rive gauche, au sud-ouest, face à la porte de Tongres, où les mousquetaires campèrent également. Remarqué pour son efficacité lors de la guerre de dévolution, Vauban se vit confier la direction du siège. À Maastricht, il mit tous ses principes en œuvre en en faisant un siège modèle. L'ingénieur partait d'un constat considéré comme immuable, aucune place n'était imprenable, même les plus puissamment fortifiées. Sous, les, sous ces ordres, les troupes entamèrent les travaux de siège. L'investissement d'une ville s'opérait en plusieurs phases, étendu sur plusieurs jours, les assauts ne devant intervenir que dans les ultimes instants du siège. Vauban élabora une méthode d'approche reposant sur une progression lente mais méthodique et assurée, avec pour objectif d'économiser les pertes humaines tout en s'approchant au plus près des fortifications. À leur arrivée, les régiments français formèrent une ligne parfaite à environ deux km et demi des murailles, hors de la puissance de feu des assiégés, pour isoler Masrirt. Deux lignes fortifiées furent établies. La première était la ligne de contre-vallation, tournée vers la ville pour protéger les assiégeants d'une sortie des assiégés. Les mousquetaires rencontrèrent d'ailleurs une vaillamment dans les premiers jours du siège. La seconde ligne était, de la, était dite de la circonvallation, orientée vers la campagne pour contrer l'arrivée d'une armée de secours. Les soldats se firent maçons et terrassiers. Les travaux de terrassement et la construction de palissades permettaient de consolider les campements et de les sécuriser. Les premiers jours du siège s'apparentaient alors à un immense chantier savamment conçu. Vers le 14 juin, donc une semaine après à peu près, ces éléments terminés, les travaux d'approche pouvaient débuter. Il aurait été suicidaire, en effet, de charger la cité en traversant à découvert l'immense glacis, donc le, le glacis, hein, cet espace gazonné qui euh, séparait les lignes françaises de la ville. Les assiégeants s'approchaient, en effet, des fortifications petit à petit, protégées par des boyaux creusés sur le glacier en direction de la ville. Le chantier se poursuivait donc avec l'ouverture de la tranchée d'approche dans la nuit du 17 au 18 juin. Les efforts des assiégeants se, se concentraient toujours sur un secteur des défenses ennemies. À Maastricht, il s'agissait de la porte de Tongres. Au petit matin du 18 juin, les batteries françaises firent alors pleuvoir un déluge de bombes et de feux sur la cité. Près de 5000 coups furent tirés en moins de deux jours. Ce bombardement avait pour objectif d'endommager l'artillerie ennemie afin de protéger les travaux d'approche et le percement des tranchées. A partir du 18 juin, donc, les travaux d'excavation des tranchées se poursuivirent durant plusieurs jours, permettant aux assiégés de s'approcher toujours davantage de la cité, sous l'œil des assiégés presque impuissants. Vauban dressa lui-même le plan d'attaque et le réseau des boyaux d'approche. Selon la méthode ordinaire et qui avait fait ses preuves, les tranchées d'attaque adoptaient un tracé sinueux en zigzag afin d'éviter les tirs ennemis en enfilade. Vauban ajouta cependant une innovation censée corriger un inconvénient de ce système. Les tranchées radiales étaient isolées, il suffisait alors d'une sortie ennemie pour les ruiner rapidement. Il importait donc de créer des liaisons entre elles. Ainsi, les boyaux d'approche furent dès lors reliés entre eux par des tranchées parallèles, plus larges, et surnommées les places d'armes. L'objectif était d'y concentrer d'importantes troupes en vue d'un assaut ou pour contrer une sortie ennemie et ainsi protéger l'ensemble des travaux d'approche. Donc vous avez ici les euh, tranchées qui permettaient d'approcher en zigzag toujours au plus près des fortifications et ces fameuses places d'armes, ces tranchées parallèles qui permettaient de les relier et dans lesquelles on massait euh, les troupes. Ces tranchées et parallèles formaient tout un réseau de boyaux censés conduire les assiégeants en toute sécurité au plus près des défenses ennemies et ainsi leur permettre de se lancer au dernier moment à l'assaut du premier ouvrage fortifié sans traverser le glacier à découvert. Dallini, bas officier des mousquetaires, qui profita à maintes reprises de ce système lors des assauts confiés aux mousquetaires, en soulignait tous les avantages. Je cite « Monsieur de Vauban, en ce siège comme en quantité d'autres, a sauvé bien du monde pour son par son savoir. Au temps passé, c'était une petite boucherie que l'a tranchée. Maintenant, il les a faites de manière qu'on y est en sûreté comme si on était chez soi ». L'ingénieur avait le souci d'épargner la vie du soldat et surtout d'utiliser ses forces à bon escient et non inutilement pour justifier un acte de bravoure insensé et inutile pour l'ensemble du combat mené. Hein, et donc il critiquait amèrement ce que faisaient régulièrement les mousquetaires. Une semaine après le début des travaux d'excavation, le 24 juin, les tranchées étaient parvenues au glacis des premiers ouvrages fortifiés de la porte de Tongres. Une nouvelle phase s'ouvrait alors, celle des assauts. Il s'écoulait ainsi bien souvent une à deux semaines entre l'arrivée des troupes et les premières attaques. La porte de Tongres, numéro 1, donc tout en haut, ici, la porte de Tongres était puissamment protégée par une demi-lune insérée dans la muraille. Donc La demi-lune dans la muraille, elle est ici, juste devant la porte. Celle-ci était euh, protégée par deux ouvrages se détachant en avant de l'enceinte. D'une part, un bastion, numéro 3, d'un côté, et un impressionnant ouvrage à cornes de l'autre. Donc, le bastion est ici et l'ouvrage à cornes est ici. Ce secteur était défendu par une seconde demi-lune avancée, numéro 5, située entre les deux premiers ouvrages évoqués. Donc la demi-lune avancée, elle est ici, en plein milieu, donc en avant de la porte. Pour arriver à la porte, il fallait pouvoir traverser tous ces obstacles. L'ensemble de ces fortifications était précédé par les obstacles habituels, fossés, contrescarpes, chemins couverts, glacis, sur lesquels les tranchées étaient creusées. La prise d'une ville se faisait rarement d'assaut. C'est-à-dire, avec pour objectif de pénétrer à l'intérieur de la cité dès la première attaque. C'était d'ailleurs impensable au vu des, impre... de im... des impressionnants systèmes défensifs déployés et des nombreux obstacles à franchir auparavant, bien que les mousquetaires le fissent une fois à Valenciennes en 1677, hein, qu'ils prirent d'assaut en 45 minutes, montre en main. Pour l'anecdote, Louis XIV se le fit d'ailleurs redire par trois fois. Les assauts se déroulaient au contraire à la manière d'une partie d'échecs. Jour après jour, pion après pion, ouvrage après ouvrage, Vauban élabora les attaques en ce sens. Elles étaient censées s'étendre sur plusieurs jours, en plusieurs assauts et sur différents ouvrages. Parfois, la prise d'un seul ouvrage essentiel suffisait à convaincre les assiégés de se rendre. Parfois, il en fallait davantage. Mais à chaque ouvrage pris, il perdait un atout considérable, les poussant petit à petit à la reddition. Pour Vauban, il s'agissait ainsi de faire pression pour pousser les assiégés à la reddition. Les assiégeants avançaient ainsi pas à pas, on s'attaquait à la contre-escarpe et à son chemin couvert qui ouvrait ensuite la voie de la demi-lune qui elle-même permettait d'approcher d'un bastion à condition de franchir le fossé et du bastion les troupes fondaient sur la porte. Bien souvent les assiégés résistaient jusqu'à ce que le dernier ouvrage essentiel de leur défense ne tombât et capitulaient avant que l'ennemi ne pénétrât dans leur cité. Il, en fallait en Il fallait en effet éviter la prise d'assaut qui signifiait que les assiégés étaient contraints de se rendre sans condition et sans traité, laissant leur ville à la merci du vainqueur qui pouvait donc la livrer au pillage. Ainsi, pour empêcher une telle extrémité, peu avant de tomber, les assiégés faisaient battre la chamade pour signifier leur désir de se rendre. Les combats étaient alors suspendus et des pourparlers s'entamaient débouchant sur la signature d'une capitulation. Mais à Maastricht, nous n'en sommes pas encore là. Les tranchées d'approche terminées, Louis XIV et Vauban fixèrent le premier assaut, subdivisé en trois attaques simultanées pour la nuit du 24 au 25 juin. La principale attaque se concentrait sur la porte de Tongres et deux autres de diversion pour tromper l'ennemi et le contraindre à éparpiller ses forces, sur la porte de Bruxelles d'une part, conduite par Monsieur, frère du roi, et sur le faubourg de Vic d'autre part. Au cours des sièges, les attaques se déroulaient généralement la nuit, principalement pour mettre à profit l'obscurité qui empêchait les assiégés d'ajuster leurs tirs et couvrait en partie les mouvements des assiégeants. Louis XIV confia l'attaque de la Porte de Tongres au jeune duc de Monmouth, fils naturel de Charles II d'Angleterre, secondé par D'Artagnan, capitaine-lieutenant des Mousquetaires Gris. La force d'assaut se composait de 300 grenadiers, deux fantassins de divers régiments, de la première compagnie de mousquetaires et d'un détachement de la seconde compagnie. monmouth vint aussi accompagné de 30 lifeguards et d'une vingtaine de gentlemen, dont John Churchill, futur duc de Marlborough, le futur redoutable ennemi de Louis XIV pendant la guerre de succession d'Espagne. Dans. Euh, je... On va trop vite. Dans le dispositif d'attaque, les mousquetaires gris occupaient la droite, la place d'honneur, et les mousquetaires noirs, la gauche. Ils enserraient les grenadiers au centre, qu'ils devaient protéger en même temps que galvaniser. À droite, les mousquetaires gris devaient prendre la contre escarpe et le chemin couvert en avant de la demi lune avancée. Donc cet espace, cette ligne rouge. À gauche, les mousquetaires noirs devaient s'emparer des palissades situées entre cette demi-lune et l'ouvrage à cornes afin d'isoler la demi-lune d'un secours ennemi et de protéger le flanc des grenadiers. Donc, les mousquetaires de la deuxième compagnie cherchaient par ici, prenaient les palissades et protégeaient l'attaque principale sur le chemin couvert et peut-être la demi-lune avancée, nous allons le voir. Le soir du 24 juin, les unités prévues pour l'assaut rejoignirent les tranchées. Elles se massèrent dans la dernière parallèle Perçait une trentaine de mètres à peine de la contre-escarpe. À 10 heures du soir, le signal de l'assaut fut donné par trois coups de canon. Les troupes s'élancèrent alors vers l'objectif au son des tambours battants et les drapeaux déployés, une innovation voulue par le roi pour galvaniser ses troupes. Au centre, sous le feu ennemi, les grenadiers foncèrent pour traverser les 30 mètres du glacis et s'arrêtèrent au pied du chemin couvert de la contre-escarpe pour y lancer leurs grenades enfin leur grenade plutôt leurs bombes de 5 kg. Ces soldats, choisis parmi les plus aguerris et les plus solides, étaient essentiels dans ces assauts, tant leurs bombes, relativement lourdes, hein, comme je vous disais, 5 kg à courir sur le feu ennemi, ce n'est pas rien, permettaient de nettoyer le terrain pour l'arrivée des fantassins, dont les mousquetaires d'ailleurs, qui chargeaient avec eux et engageaient alors le combat au corps à corps. Les mousquetaires les suivaient en effet en tentant d'éviter les balles et les bombes ennemies qui pleuvaient sur eux. Arrivés à la contrescarpe, les mousquetaires et les fantassins dépassèrent les grenadiers et prirent d'assaut le chemin couvert. En quelques instants, donc, les grenadiers, après avoir lancé leurs bombes, les mousquetaires se firent mettre de la contrescarpe et de son chemin couvert, en chassant les ennemis. Fort de la facilité de cette première victoire, Monmouth et ses hommes poursuivirent, sans ordre, aux grand dames de Vauban d'ailleurs, leur charge vers la demi-lune avancée qui était située juste derrière. Et les mousquetaires noirs continuèrent de leur côté vers l'ouvrage à cornes. Donc, une fois arrivés ici, les mousquetaires noirs décidèrent de continuer vers l'ouvrage à cornes, de manière inconsidérée, puisqu'ils sont coupés de leur ligne, et euh, les mousquetaires gris avec Monmouth de continuer vers la demi-lune avancée, alors que logiquement, Vauban avait dit de s'arrêter à la contre-escarpe. Toujours sous le feu ennemi, ils traversèrent le fossé, escaladèrent la muraille et se jetèrent sur le parapet de la demi-lune. L'accès à l'ouvrage fut facilité par diverses brèches causées par les canons français quelques jours plus tôt. Les mousquetaires gris se logèrent durablement dans la demi-lune en une demi-heure. Ne trouvant plus d'ennemis face à eux, certains montèrent sur le parapet et crièrent alors ⁇ Vive le roi !⁇ Mais les Hollandais, malgré leur surprise et leur première retraite, ne comptaient pas en rester là et abandonner cet ouvrage. Conduits par leur gouverneur, de Fario, ils contre-attaquèrent vigoureusement et opposèrent une résistance acharnée. Les combats atteignirent alors une rare violence et durèrent toute la nuit entre mêlant attaque et contre-attaque. Vers 4 à 5 heures du matin, après avoir perdu près de 400 hommes, les Hollandais se replièrent et abandonnèrent l'ouvrage aux mousquetaires. Au matin du 25 juin, donc, les Français étaient donc implantés dans la demi-lune avancée et entre celle-ci et l'ouvrage à cornes. Paul Pélisson, historiographe du roi et présent au siège, notait Je cite, Les mousquetaires y ont fait des merveilles. Pourtant, Vauban critiqua vivement cette charge sans ordre sur la demi-lune qui relevait d'un, je cite, emportement inconsidéré, alors que l'objectif initial se limitait à la contre-escarpe. Il importait à ses yeux d'avancer doucement pour consolider chaque prise. Une avancée trop profonde distendait les lignes et augmentait le risque de perdre des acquis trop éloignés. Les mousquetaires noirs étaient même montés à gauche sur l'ouvrage à cornes, qu'ils durent cependant abandonner puisqu'il était trop compliqué de s'y maintenir. Outre qu'elle contrecarrait ses plans, cette avancée trop rapide causa un important retard dans les travaux de consolidation et par la même engendra indirectement la mort de d'Artagnan. Pour plus de sécurité, il était en effet d'usage d'édifier une barricade entre l'ouvrage pris, ici donc la demi-lune, et les fortifications situées derrière, toujours aux mains de l'ennemi. Cette palissade de bois activement édifiée, devait protéger les assaillants logés dans l'ouvrage et, et dont les défenses étaient tournées vers l'extérieur et non vers la ville. En effet, les ouvrages fortifiés étaient, enfin là ici en tout cas, la demi-lune était en pointe vers l'extérieur pour protéger la ville, mais étaient complètement ouverte sur l'arrière. Donc les Français logés dans la demi-lune étaient nécessairement sous le feu ennemi, d'où l'importance de l'édification de cette fameuse palissade. Pour Vauban, la prise de la demi-lune avancée, trop éloignée des lignes françaises, s'avérait plus néfaste qu'avantageuse puisqu'il fallait à ce moment-là traverser presque 60 mètres à peu près, sous le feu et demi toujours. Le matin du 25 juin, entre 6 et 7 heures, les gardes françaises, autres régiments de la garde du roi, vinrent relever les mousquetaires gris dans la demi-lune avancée où les travaux de construction de la palissade se poursuivaient. D'Artagnan et ses hommes alors, regagnèrent alors leur quartier. Monmos et d'Artagnan devaient être relevés de leur commandement le soir par le duc de La Feuillade, secondé par Montbron, capitaine-lieutenant de la deuxième compagnie des mousquetaires. La Feuillade vint cependant inspecter la demi-lune le matin et, jugeant qu'elle n'était pas suffisamment fortifiée sur son revers, donc sur l'arrière, euh, annonça qu'il fallait renforcer la palissade immédiatement. Vers 8 heures du matin, Montbron alla trouver d'Artagnan à sa tente pour le convaincre d'ordonner ses travaux. Il les, donc d'Artagnan les conduisit alors, rappelant que la feuillade ne serait officier de jour que le soir et qu'alors il ferait comme il lui plairait. Eu égard à l'importance tactique de la position chèrement acquise durant la nuit, Montbron insista tant il imposait d'empêcher une contre-attaque ennemie. D'Artagnan l'assura alors qu'il n'était pas nécessaire d'en faire davantage et que pire, l'envoi de soldats supplémentaires pour travailler à une nouvelle palissade risquait d'attirer l'attention des ennemis et de susciter par là même une nouvelle attaque. Mais Montbron insista. D'Artagnan finit par céder, je cite, Faites donc le détachement de mousquetaires, mais je crains fort que vous nous, vous nous attiriez une affaire mal à propos. En réalité, Montbron et D'Artagnan, ces deux officiers, défendaient deux positions tactiques qui se justifiaient. Vers 10 ou 11 heures du matin, les Français pensaient s'être bien implantés dans la demi-lune, grâce notamment à la barricade que les ingénieurs et les soldats finissaient de consolider. Soudain, vers midi, alors que les troupes françaises travaillaient encore à cette palissade, un fourneau joua. C'est-à-dire que les Hollandais firent sauter une mine sous la demi-lune. Un fourneau, c'est ça, on creuse une mine sous l'ouvrage, on met des bombes et on fait exploser. L'explosion, qui fit sauter 60 soldats et déstabilisa les gardes françaises qui étaient, donnait en réalité le signal d'une vigoureuse contre-attaque hollandaise. Les gardes françaises encaissèrent le choc, mais commencèrent à flancher et à se replier, abandonnant la demi-lune. Le duc de la Feuillade, qui était toujours là, prit la tête des soldats qui s'enfuyaient et repartit à l'assaut. Au même moment, du quartier des mousquetaires, D'Artagnan qui terminait son déjeuner, annonça à ses hommes, je cite: "Voilà la demi-lune attaquée. Il faut la reprendre avant que nos ennemis s'y soient établis et ne leur en pas donner le temps." Un continent, après une nuit blanche passée à se battre, D'Artagnan fit avertir Monmouth et constitua une force d'assaut pour venir en renfort à la Feuillade et aux gardes françaises. Il rassembla tous les mousquetaires qui étaient présents au camp et confia 30 mousquetaires et 60 grenadiers à Dalini, maréchal des logis des mousquetaires. D'Artagnan lui dit, je cite, va attaquer la demi-lune par là où nous l'avons attaquée la nuit dernière, c'est-à-dire par la pointe, par l'avant. Et tu auras bientôt de mes nouvelles. Là... D'Aligny arriva au milieu de la bataille et contribua avec la feuillade à reprendre la demi-lune, non sans perdre la moitié de sa troupe et y recevoir, je cite, une grande blessure au bas-ventre et dix autres petites, tant d'éclats de grenades que de piques. Petite parenthèse. On voit souvent dans, le, dans les séries, les, au cinéma, etc., la cour de Versailles avec des gentils hommes, tout bien poudrés, entiers, etc. En réalité, la guerre, ce n'est pas un jeu rigolo, on le sait. Et parmi les ducs qui prenaient les ducs, les comtes, les marquis qui prenaient la tête des troupes, eh bien, il y avait beaucoup d'éclopés, des, des gens qui perdaient un bras à la guerre, un œil, une jambe, etc. Donc euh, quand on lit les, les, les états de, de, de blessures, notamment lors du siège de Maastricht, on peut imaginer que ces hommes étaient couverts de cicatrices. Donc Dalini y alla, contribua à reprendre la demi-lune, mais et les Français étaient victorieux, mais où était d'Artagnan Après avoir envoyé dalini D'Artagnan rejoignit Monmos et tous deux décidèrent d'un commun accord de marcher au front en toute hâte pour défendre la demi-lune, sans prendre les ordres de Vauban pour gagner du temps. D'Artagnan n'était en effet pas du genre à demeurer en arrière et à attendre, d'autant qu'il était officier de jour. Pélisson, donc l'historiographe, notait, je cite, il y vint lui-même et fit en cette occasion tout ce que peut faire un très brave homme qui se possède admirablement bien. Donc, le temps de rassembler leurs hommes, chacun dans leur quartier, les deux généraux, D'Artagnan et Monmos, se donnèrent rendez-vous sur le front à la dernière palissade. Alors que D'Artagnan et ses mousquetaires empruntèrent le réseau de tranchées, Monmouth, jeune gentilhomme, au mépris de la prudence, jugea plus opportun de courir à découvert sur le glacis pour parvenir plus vite sur l'objectif, et sans se prendre donc tout le réseau de, de tranchées en zigzag. Monmouth retrouva d'Artagnan et ses mousquetaires à l'abri d'une barricade ennemie, alors que la feuillade et Dalini s'attaquaient à la demi lune par la pointe, comme je le disais, Monmouth et D'Artagnan décidèrent de la prendre par la gorge c'est-à-dire par revers, par là où la fameuse palissade française réclamée par Montbron était en cours de consolidation. Donc, l'attaque par la pointe que d'Artagnan a ordonnée... Adalini et par, euh, la, est, par est, conduite par la feuillade, pardon, et la deuxième attaque euh, euh, envisagée par D'Artagnan et euh, Mondemont, c'est-à-dire de la prendre à revers, de reprendre la demi -lune à revers par, euh, du côté de la barricade en cours de construction. Pour charger. Monmos voulut franchir la dernière barricade, hein, ici, ils sont arrêtés à peu près à cet endroit, et il voulut franchir donc la, la, la dernière barricade ennemie pour, pour pouvoir partir à l'assaut. Mais euh, cette euh, barricade ne présentait qu'une ouverture qui ne permettait que le passage d'un seul homme à la fois, ce qui signifiait de se retrouver isolé et à découvert de l'autre côté, et donc sous le feu ennemi. En tant qu'officier expérimenté, D'Artagnan tenta de le dissuader de cette témérité inconsidérée. Monmouth s'obstina, le temps pressait, et il s'élança par les trois passages. D'Artagnan ne pouvait laisser ce jeune gentilhomme partir seul, partir seul, ni pour des raisons tactiques, bien sûr, ni pour une question d'honneur. Et bien malgré lui, il ne pouvait reculer là où des Anglais avançaient. Donc il le suivit. Selon le baron Allington de Killard, l'un des fidèles accompagnant Monmouth, D'Artagnan et ses mousquetaires se conduisirent très bravement et le capitaine-lieutenant se comporta en véritable gentleman en décidant de le suivre malgré le euh, danger. Monmouth commettait toutefois une erreur tactique qui coûta cher à D'Artagnan. D'Artagnan n'arriva en effet jamais à la demi-lune. En ce dimanche 25 juin, vers 13h, il tomba sous le coup d'une balle de mousquet hollandais reçue à la tête à la sortie de la barricade dans le fossé entourant la demi-lune avancée. Une carte anglaise récemment découverte, dressée par John Scott, espion, cartographe et officier anglais, mentionne le lieu où D'Artagnan tomba, hein, mentionné par la lettre E, donc je vous ai fait un zoom, un zoom ici, donc la demi-lune avancée est là, elle est un peu moins nette que sur l'autre carte, mais euh, c'est donc bien l'endroit où D'Artagnan euh, trouve la mort, ça corrobore donc les conclusions que j'avais euh, initialement établies. Écoutons le récit que fait Allington de Killard, témoin de la mort de d'Artagnan, puisqu'il le suivait. Je cite. Après que le duc de Monmouth eut pris ses armes, il ne sortit pas à la, pas à la place ordinaire, mais courut par-dessus le haut des tranchées en face de notre ennemi. Ainsi marchions-nous, avec nos épées à la main, vers une barricade des ennemis où un seul homme pouvait passer à la fois. Il y avait monsieur d'Artagnan avec ses mousquetaires, qui se conduisirent très bravement. Ce gentleman était un des plus réputés dans l'armée. Il aurait voulu persuader le duc de ne pas passer par là, mais n'ayant pu l'obtenir, ce gentleman voulut rester à ses côtés. Et comme il franchissait cet étroit passage, il fut tué d'un coup de feu à la tête. D'Artagnan était mort, mais Monmouth poursuivit sa charge sans se retourner. Killard continuait le récit. Je cite :« Après quoi, donc après la mort de D'Artagnan, le duc et nous et nous passâmes. » Les soldats prirent cœur à l'action, le duc les ramenant deux fois à la charge, donc avec grand courage. Quand Sa Grâce jugea que les ennemis commençaient à reculer, on obtint de lui qu'il se retirât dans la tranchée pour mieux donner ses ordres quand l'occasion s'en présenterait. Durant le combat dans la demi-lune, les mousquetaires cherchèrent leur chef pour recevoir de nouveaux ordres, sans le trouver. Au milieu de la fumée, son corps apparut soudain aux yeux de Saint-Léger, son fidèle premier maréchal des logis, et de quelques-uns de ses mousquetaires. Saint-Léger se précipita, espérant pouvoir encore sauver son capitaine-lieutenant. Sous, sous le feu de l'ennemi, les mousquetaires relevèrent son corps et le ramenèrent à l'abri des lignes françaises. Trois ou quatre d'entre eux, d'ailleurs, succombèrent à cette occasion. Au moment où il apprit la contre-attaque hollandaise, Louis XIV se rendit dans les tranchées, ordonna l'envoi de renforts et commanda des travailleurs pour renforcer les positions françaises. Mandmos par le revers et la feuillade et d'Aligny par la pointe, tous avec les mousquetaires, parvinrent à faire fléchir les Hollandais et reprirent la demi-lune, mais au prix de lourdes pertes. Pélisson consignait l'action, je cite, Les mousquetaires donnèrent des preuves d'une valeur extrême, on n'en vit jamais reculer un seul, il en fut tué un grand nombre, et ceux qui restèrent avaient leurs épées faussées des coups qu'ils avaient donnés et sanglantes jusqu'aux gardes. Dans l'après-midi, après cinq heures de combat, le logement français sur la demi-lune avancée était définitivement assuré. Les Hollandais ne tentèrent plus de la reprendre. Les mousquetaires gris continuèrent à monter la garde dans la demi-lune et dans les tranchées jusqu'au soir du 25 juin, après presque 48 heures de veille. Le roi les rappela alors à leur quartier. Le Pipre de Neuville, historien du XVIIIe siècle, concluait que ce fut, je cite, avec beaucoup de justice qu'on attribue toute la gloire de cette action aux deux compagnies de mousquetaires. En effet, elle fut aussi éclatante que le péril fut grand, puisque cette victoire leur coûta bien cher. Le nombre de tués côté français rendait compte de la violence des combats. Alors qu'ils subissaient généralement peu de pertes, 80 mousquetaires y trouvèrent la mort et une cinquantaine y furent blessés, dont 15 succombèrent dès leur arrivée à l'hôpital. Le roi félicita la prise d'initiative de monmouth de d'Artagnan et des mousquetaires qui avaient permis de reprendre la demi-lune. D'Artagnan fut regretté par de nombreux euh, courtisans et officiers, en plus de l'ensemble de ses hommes. Je vous propose ici pêle-mêle quelques extraits. La duchesse de Montpensier, cousine de Louis XIV et fille de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, alors même que d'Artagnan avait conduit son grand amour, le duc de Lausanne, à Pignerol, trois ans plus tôt, notait, je cite, Il eut bien des gens de tuer, Artagnan fut du nombre dont la perte me toucha sensiblement. Outre qu'il était très brave homme, il était très fidèle à ses amis. Par sa fidélité et son humanité, d'Artagnan avait su aussi gagner l'estime de ses contemporains, même celui de la marquise de Sévigné, après avoir pourtant arrêté et gardé son ami Fouquet entre 1661 et 1665. Même le fameux duc de Saint-Simon, pourtant très critique envers les courtisans, dressait un portrait élogieux de d'Artagnan. Je cite Il se fit estimer à la guerre et à la cour où il entra si avant dans les bonnes grâces du roi qu'il y a toute apparence qu'il eût fait une fortune considérable s'il n'eût pas été tué devant Maastricht en 1673. Le baron Michel-Ange Worden, originaire de Lille et qui entretenait une vraie amitié avec d'Artagnan, évoquait sa douleur en évoquant la perte du, je cite, meilleur des hommes, le plus intègre, le plus généreux, le plus fidèle, le plus cher des amis. Également un peu tatillon sur les bords. Vous verrez ça si vous visitez l'exposition. Quand il était gouverneur de Lille, c'était un militaire extrêmement à cheval sur les règles et sur le service. Mais j'en dis pas plus, ce n'est pas le sujet. Surtout, Daligny, fidèle des fidèles, protégé de D'Artagnan, ne cachait pas sa tristesse dans ses mémoires, pourtant rédigé des décennies après les faits, au souvenir de la perte de son cher capitaine-lieutenant. Je cite « Si on mourait de chagrin, j'en serais assurément mort de perdre un si galant homme qui, et qui m'aimait depuis douze ans comme si j'avais eu l'honneur de lui être fort proche. » Le cousin de D'Artagnan, Joseph de Montesquieu-D'Artagnan, qui fut plus tard capitaine-lieutenant des Mousquetaires à son tour et qui avait été pris sous son aile par notre Mousquetaire, attendit quelques jours avant d'écrire à Paul, le frère aîné de d'Artagnan, ne trouvant pas la force d'être celui qui lui apprendrait la nouvelle. Je cite, Je vous assure qu'il n'y a personne au monde qui ait ressenti ce malheur plus fortement que moi par la perte d'un père que j'ai perdu en le perdant. Plus encore, évidemment, la réaction de Louis XIV, en particulier, qui se montra très touché et attristé par la perte de son fidèle mousquetaire, démontrant son profond attachement pour lui. Sachez que Louis XIV, tel qu'on le connaît, toujours enfin tel qu'on le connaît, on l'a jamais connu, mais euh, grand roi toujours euh, très austère, etc., avait euh, larme, la larme à l'œil très facile. Hein, il pleurait assez souvent. Pélisson, donc qui accompagnait le roi, nota la réaction de Louis XIV. On ne peut pas exprimer combien il a été regretté de tout le monde et du roi en particulier, qui en a parlé diverses fois avec beaucoup d'estime et de douleur. Quelques jours après sa mort, le roi faisait déjà part du manque que lui causait l'absence du mousquetaire. Je cite, Le roi parla encore parfaitement bien de feu, M. d'Artagnan, et le loua en particulier de ce qu'il était presque le seul qui eût trouvé le moyen de se faire aimer des gens en ne faisant pas des choses extrêmement obligeantes pour eux. D'après D'Aligny, Louis XIV aurait même écrit à la reine Marie-Thérèse, je cite, Madame, j'ai perdu d'Artagnan en qui j'avais la dernière confiance et qui m'était bon à plus d'une chose. La Gazette de France rapportait l'affliction du roi qui, sitôt informé de la mort de D'Artagnan, je cite, témoigna être sensiblement touché par, pour sa valeur et la confiance qu'elle avait en lui. Le roi tint tout particulièrement à assurer carrière et sécurité aux deux fils de D'Artagnan, âgés de 13 et 12 ans alors, tous deux d'ailleurs prénommés Louis, puisque le roi était le parrain de l'aîné, tandis que le dauphin, également prénommé Louis, euh, était celui du cadet. La gazette de France notait, je cite, Sa Majesté témoigna par toutes sortes de bontés à la veuve du Sieur d'Artagnan et à ses enfants la satisfaction qu'elle a des services du dit défunt. Toute la famille royale voulut bien donner aux enfants de d'Artagnan des marques de l'estime qu'elle a toujours eue pour le père. Le roi finança ainsi leur éducation sous la forme d'une pension annuelle de 4000 livres, ce qui est énorme. Par sa conduite et les conditions de sa mort, d'Artagnan cristallisa les valeurs de la noblesse et le service du roi. À tel point qu'il devint un modèle idéal à Courtiles de Sandras pour transmettre ses idées et conceptions sur la société et l'absolutisme du pouvoir royal dans les fameux Mémoires de D'Artagnan, mémoires apocryphes bien sûr, écrits, enfin publiés plutôt en 1700. Par la même, le publiciste offrait à D'Artagnan l'immortalité consacrée sous la plume d'Alexandre Dumas et d'Auguste Maquet. Mais n'allons pas trop loin de son vivant d'artagnan ne dut la réussite de sa carrière qu'à la seule confiance de louis xiv qui répondait à une fidélité sans concession et dans son panégyrique le poète juliani de saint blaise concluait d'artagnan et la gloire ont le même cercueil. pourtant la mort de d'artagnan et les conditions surtout de celle ci furent amèrement critiquées par vauban et les partisans de la bonne mort celle qui intervient utilement au service du roi pour un esprit économe comme celui de l'ingénieur, tout gentilhomme devait, je cite, se montrer bon ménager de sa propre vie et éviter les emportements de bravoure. Il ne blâmait pas le courage ni la bravoure, mais les actes inconsidérés. Cette accusation, sans jamais nommer d'Artagnan, le fut toutefois à tort, comme nous l'avons vu, puisque le mousquetaire chercha d'abord à dissuader Montmorency de franchir la palissade, mais trop tard. D'Artagnan apparaissait déjà comme le nouveau Bayard, glorifié par sa mort héroïque en 1524, mais alors blâmé à tort pour une mort considérée comme inutile dans cette France marquée par le triomphe de la raison sur la passion et de la culture du service. Peu importe alors que d'Artagnan eût fait preuve de raison avant de tomber, d'une certaine manière sa mort symbolisait la saignée de la noblesse française qui s'échignait mal à propos, pour reprendre les mots de Vauban. Le courage devait à présent être mesuré et surtout mis au service des intérêts du roi et non pour servir la gloire personnelle des gentilshommes. De là naît quelque sorte une forme de service public. Pour taire ces critiques, le temps de cette soirée, finissons le débat sur les propos de Dalini. Je cite, Peu de gens auraient pris un parti aussi hasardeux que celui qu'il prit, donc d'Artagnan, chargé à découvert. Mais en l'état où étaient les choses, malgré ce que les courtisans disaient que c'était d'une témérité de jeune homme, puisque d'Artagnan avait à l'époque, j'ai oublié de vous le dire, plus de 60 ans, Cependant, la grande valeur de M. d'Artagnan et des braves mousquetaires ont acquis Maastricht au roi. Revenons donc rapidement sur la suite du siège. Lourdement touchés par la contre-attaque du 25 juin, les mousquetaires gris demeurèrent à l'écart des attaques suivantes. Les mousquetaires noirs les remplacèrent lors du second assaut centré sur l'ouvrage à cornes de la porte de Tongres et prévu pour la nuit du 27 au 28 juin. Comme je vous l'expliquais, on prend pion après pion, on a pris la demi-lune avancée, la logique veut qu'on s'attaque soit au bastion, soit à l'ouvrage à cornes. Puisqu'on veut prendre la porte, l'ouvrage à cornes est le plus indiqué. Massive et constituée pour accélérer la chute de la ville, la force d'assaut était composée de 4 bataillons d'infanterie, soit environ 4000 hommes, en plus des 100 mousquetaires noirs et de 200 gardes du corps du roi. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que malgré leur faible nombre, ce sont souvent les mousquetaires qui parvenaient à faire la différence. Ainsi, au cours de cette nuit du 27 au 28 juin, les mousqueteurs de la deuxième compagnie en particulier doublèrent l'exploit de leurs homologues de la première en s'emparant avec les grenadiers de l'ouvrage à cornes. Avec la chute de la demi-lune avancée de l'ouvrage à cornes, il ne restait plus aux Hollandais que la demi-lune enserrée dans la muraille pour protéger la porte. Aussi, les efforts des Français se concentrèrent sur cet ultime objectif. Le 30 juin au matin, Vauban pointa une batterie sur la demi-lune. Les canons crachèrent un intense feu de boulets explosifs sur l'ouvrage. Aussitôt, à 6 heures du matin, les assiégés firent battre la chamade. Les pourparlers s'engagèrent et débouchèrent le jour même sur une, capitula une capitulation jugée honorable à la hauteur de la résistance opiniâtre que les Hollandais avaient démontrée. Le 2 juillet, la garnison hollandaise quittait la ville avec les honneurs. Le lendemain, 3 juillet, moins de deux semaines après l'ouverture de la tranchée, Louis XIV y fit une entrée triomphale, escorté de ses mousquetaires. Par la suite, les mousquetaires continuèrent à se spécialiser dans la prise des villes. En moyenne, dans tous les sièges où ils furent engagés, la ville se rendait le lendemain, voire quelques heures après leur intervention. Ils s'emparèrent ainsi de Condé, de Valenciennes, d'Ypres, de Mons ou encore de Namur. Il revint également à maintes reprises dans le pays de Liège. Les Pays-Bas espagnols constituaient alors en effet un champ de bataille privilégié, le champ de bataille privilégié de l'Europe après l'Italie au XVIe siècle. Durant la campagne de 1700, première campagne de la guerre de succession d'Espagne, les mousquetaires s'installèrent dans le grand camp d'Othon, euh, le long de l'Ourthe, qui rassemblait toute la maison du roi, soit une dizaine de milliers d'hommes. Ils y demeurèrent en toute tranquillité durant près de deux mois, de la mi-août à la mi-octobre, assez agréable d'ailleurs. Ils y euh, occupaient euh, leur temps entre concerts et balades. Certains, tel le chevalier de Quincy, en profita même pour faire un peu de tourisme. Avec quelques camarades, il gagna un siège où, je cite, « il coucha deux nuits ». Ainsi, nous eûmes, le temps de faire de, pardon, nous eûmes le temps de voir tout ce qu'il y a de remarquable dans cette grande ville. Il poursuit. Et je, je voulais vous faire part de ce... Ces mémoires sont très intéressants parce que c'est presque un, un guide touristique à travers les campagnes de Louis XIV. Donc il dit, nous fûmes voir Saint-Lambert, qui est la cathédrale, le palais de l'évêque et les églises sont magnifiques. Les ponts qui sont sur la Meuse sont très bien construits. On ne reçoit point de chanoine dans la cathédrale qui ne fasse preuve de 32 quartiers de noblesse. Ça, c'est à vérifier. Je n'ai pas, pas vérifié la source. Bruno, vous, vous me confirmerez peut-être. Ou qu'il ne soit docteur. Enfin, ce chapitre est composé de princes de la plus grande et de la plus haute noblesse et souvent de cardinaux. Il conclut, je cite, Cette ville est belle, dans une plaine, il y a une assez bonne citadelle, cette ville est fort ancienne, il en est parlé dans les commentaires de César. Les mousquetaires prirent également part à la fameuse bataille de Rocourt, trop souvent et improprement orthographiée en France Rocou ou Rocou, le 11 octobre 1746, à la fin de la guerre de succession d'Autriche. Conduit par Louis XV en personne, les combats se déroulèrent principalement autour de la rue des Français entre Anse et Rocourt, et virent les Français l'emporter. Les contributions des mousquetaires à la victoire, à la contribution des mousquetaires fut toutefois relativement limitée. En effet, L'art de la guerre changeant au XVIIIe siècle, ils furent de moins en moins déployés dans les batailles ranchées où s'affrontaient des lignes d'infanterie sans cesse plus nombreuses et recourant au feu roulant. C'est ce qu'on voit notamment dans le film de Stanley Kubrick Barry Lyndon. Leur dernier grand fait d'armes euh, survint à Fontenoy le 11 mai 1745, donc qui se déroula près d'Antoine, où euh, ils, furent, et puis, pardon, ils furent finalement licenciés par Louis XVI en 1775. En 1814, à la surprise générale, à peine monté sur le trône, Louis XVIII rétablit l'ensemble de la maison militaire du roi, y compris les deux compagnies de mousquetaires dans cette France post-révolutionnaire. Ces unités ne survécurent cependant pas aux 100 jours, de, et donc le retour de Napoléon, et furent définitivement supprimées en 1815, avant d'entrer définitivement dans la légende en 1844, avec l'apparition des trois mousquetaires. Bien qu'il les tuait, Maastricht célèbre aujourd'hui d'Artagnan comme un héros et euh, les euh, Hollandais lui ont érigé trois statues, dont une d'ailleurs a été volée en 2006. Donc c'est celle-ci, on la voit hein, légèrement. Il reste encore le piédestal. Ils ont euh, mis un monument à la place hein, qui symbolise une forme de kazakh drapé euh, sur, sur le mur. Cette statue est la plus récente, vous en avez une autre un peu art, euh, art moderne. Et puis dans la ville, il y a les rues d'Artagnan, etc. Donc ils l'ont tué mais ils le célèbrent aujourd'hui. Au terme de cette conférence, j'en profite évidemment pour faire un peu de promotion et vous présenter mon ouvrage sur l'histoire des mousquetaires, soit sorti la semaine dernière. Quelques exemplaires, d'ailleurs, comme Bruno vous l'évoquait, seront proposés à la vente et en dédicace juste après. Cet ouvrage dresse l'historique des mousquetaires sous la forme d'une série de tableaux à travers quelques grandes dates, comme bien sûr la mort de D'Artagnan, qui en fait partie, mais aussi les complots contre Richelieu, le mariage de Louis XIV, l'arrestation de Fouquet ou des histoires de cœur authentiques. Ça aurait pu faire l'objet d'une autre conférence, mais ça ne s'est pas passé à Liège, donc désolé. La primeur, c'est dans l'ouvrage. C'est une manière d'appréhender la grande histoire par la petite et d'entrer dans les arcanes de l'histoire de France et quelque part un peu de l'histoire de l'Europe. Et aussi d'apporter des précisions et des corrections historiques aux événements relatés par Alexandre Dumas, telle la prétendue histoire d'amour entre Anne d'Autriche et le duc de Buckingham. Qui s'apparentait davantage à un Me too », mais ça, vous le verrez par vous-même. Également donc l'exposition qui vient de s'ouvrir à Paris au château de Vincennes intitulée D'Artagnan et les Mousquetaires du Roi aux sources du mythe. Nous avons bien sûr joué sur le mot source dans un double sens puisqu'il s'agit ici de faire émerger la vraie histoire des Mousquetaires, trop longtemps éclipsée par leurs homologues de fiction, et également dans le terme source. L'idée est de revenir aux sources historiques en présentant des documents authentiques et ainsi un peu démystifier le, le mythe créé par Alexandre Dumas. Nous avons tout fait pour la rendre en tout cas la plus dynamique et la plus ludique possible. Vous y découvrirez notamment le grand plan de, euh, du siège de Maastricht euh, dressé par Vauban lui-même, qui a été agrandi au sol pour resituer les, les chemins de d'Artagnan, l'idée de pouvoir déambuler autour. Les premiers échos en tout cas en sont positifs. Vous pourrez donc, euh, donc euh, la découvrir et en plus, elle est gratuite, hein, donc ce n'est euh, pas négligeable. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et, euh, et voilà, j'allais dire, je suis ouvert aux questions, mais donc il n'y a pas de questions, mais bon, voilà. Merci de votre présence.